Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est samedi le 28 août, déjà. Ouais, fait que là, Pamela part tantôt vers 10 h. Là, il est 8 h. Elle part à Montréal vers 10 h. Tu sais, comme, ça faisait comme un an et demi qu'elle est presque à Montréal. Là, il va toute la semaine. Son stage commence à l'hôpital, lundi. Je me rappelle plus le nom d'hôpital. On va faire je te demande. En tout cas, avec la commence son stage, là, ça la stresse beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien aller pour elle. Puis aujourd'hui, ben là, Katia est réveillée. Elle est là. On est quasiment juste de se lever. Il y a moi, Lucas est réveillé, moi. Et Katia, puis Pam, elle a pris sa douche en haut. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ouais, ben là, aujourd'hui, je voudrais vraiment magasiner et trouver leur kit d'école. Je ne l'ai pas encore acheté. Puis, tu sais, chaque année, j'aime ça qu'ils ont un nouveau kit. Puis, mais cette année, s'ils l'ont pas, ben, c'est pas. Fait que je me demande quasiment si on n'irait pas prendre une promenade à Québec. J'irai au Tommy. Tommy, ben, il y a du linge pour Katia et pour Lucas. Fait que puis ça risque d'être en vente à ce temps-ci. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais en parler à mon chum, j'en ai pas encore parlé. J'ai pensé à ça, là. Puis, on pourrait chercher des beignes au Krispy Kreme. Fait que, ouais. Je vais en parler à moi, je vais voir. Oh, je suis fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi, je suis fatiguée. Fait que c'est ça. À part ça, ben ça va être quand même triste d'avoir pas me partir, là, mes gars. Sa dernière année, en espérant qu'elle passe au travers. Après, ça va être pharmacienne officiellement. Et en tout cas, je vous parle plus tard. Bonne journée en attendant. On a fini nos petites roches. Hé, hey, Alika! Elle à moi! Moi, j'ai puis là, regardez. Là, il faut marquer. On a marqué garde, recache, on remplace. Puis on va aller cacher ça tantôt. Eh oui, puis Alika, il y a un petit rhume. Il n'a pas été arrumé de l'été. Je pense pour pas aller à l'école. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que si lundi, il va déjà être parti ton rhume. Ah, il n'y a pas eu le rhume de l'été. Là, l'école recommence. La bonne nouvelle, c'est quand que je vais rester ici pour. Vu à cause de mon rhume, je vais perdre mon rhume. Mais c'est ça. Non, excusez. Fait qu'on va aller cacher ça tantôt. Je vais aller m'habiller. Maintenant, je vais être avec toi. Okay. Je vais aller avec toi. Qu'est-ce que tu voulais montrer, hein? Ma chaise. Ah, ça, Lucas, on avait comme complètement oublié qu'on avait acheté cette chaise-là. Mais moi, j'oubliais pas, mais t'as pas te demandé si on pouvait la débaluer. Mais là, on la voit pas bien avec les couvertes dessus, là, mais. Mais tu veux dire que j'enlève les couvertes? Ouais, tu vas te dire les remettre? Oui. Ah, ben attends, j'ai acheté ça au canard, je sais pas si vous vous rappelez, là. Regarde, t'as le petit pouf, là. Ok, on a changé les couvertes. Ouais, est-ce qu'on voit pas bien? Attends. J'essaie de les mettre quand même après. C'est ça, c'est la chaise de même. Ben, elle est quand même grosse, ça. Elle est confortable. Mais moi, je la trouve plus belle de même. Je trouve. Ben, moi, c'est une seule fois. Puis là, j'ai pas une petite table. Hein? Ben, je ressens pas avec la dedans dessus, là. C'est parce que là, on voyait pas bien avec le petit pouf. Normalement, elle avait acheté ça, là, dans sa partie en haut de la cabane à Katia. Lucas, il y a la partie du haut, là. Mais là, ça rentre pas, c'est pas assez haut. Tu sais, la partie du haut à Lucas. Ben, peut-être que ça rentrait, mais de justesse. Ça serait dur, en tout cas, à monter ça, là. Ben, le petit bain, le petit pouf rentrait, là, mais. Ça, c'est ça. Fait que là, t'es content, là? Hein? Oui. En plus, c'est moi qui l'ai gonflé. T'es gonflé, moi, moi. Bon, il est 10 h 20. Pam est partie. Ça fait à peu près. Ben, même il était parti pendant la 10 h. Ben, j'étais triste. C'est ça, j'étais triste parce que. Tu sais, j'étais habituée d'avoir avec moi, là, durant la dernière année et demie. Ça, elle n'est plus à Montréal. Elle faisait ses cours ici en ligne. Puis là, je sais qu'elle s'en va, t'as quoi pour elle qui est difficile pour elle. Tu sais, c'est, comment je dirais ça, de la misère. Ça n'a pas confiance en elle. Il va falloir qu'elle se prouve, puis qu'elle va être au travail des autres. Puis, tu sais, je sais que ce sera pas facile pour elle. Il va falloir qu'elle se parle fort pour faire taire ces voix-là, qu'elle est pas bonne, puis qu'elle est ci, puis qu'elle est ça. Fait que c'est sûr qu'elle avait de la peine d'avoir partir ce matin. Mais en tout cas. Là, je sais qu'elle partait avec Maxime au moins pour la fin de semaine.
Mais lundi, je vais penser fort à elle, parce que lundi, elle va être à l'hôpital le matin, là. Je sais, pis en plus, c'est un milieu qui la stressait beaucoup d'aller en hôpital faire ses stages. Mais la prochaine, il faut qu'elle fasse ça. C'est l'hôpital, l'Institut de cardiologie de Montréal. Qu'elle va être. Je vais essayer de lui demander qu'elle m'envoie une photo le matin que je puisse vous partager, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est difficile, mais faut ce qu'il faut, hein. J'espère juste qu'elle va terminer. Tu sais, qu'elle va réussir à terminer son année, puis que, tu sais, ce qu'elle a déjà 3 ans de fête, là, ça serait poche que sa voix intérieure lui fasse. Tu sais, perdre son année, dans le fond, je sais pas si vous comprenez. Hein. En tout cas. Fait que, ben, c'est ça. Là, ben, ça, j'en avais les cheveux. Je vais aller au parc. Lucas m'a demandé à se balancer avec. Je vais aller au parc, se balancer avec Lucas, et on va aller se cacher. Nos roches! Fait que c'est ça que je vais vous dire. Fait que je vais retirer au courant. Ah, mais là, c'est ça, je l'ai vous dit, c'est vrai, je l'ai vous dire, c'est mignon, parce que le père faisait le tour de tout le monde, leur dire salut, puis elle est allée voir Cathy dans sa chambre. Puis là, Cathy, on aurait dû qu'elle l'écoutait, puis qu'elle voyait, tu sais, que le père s'en allait, puis tu sais, elle regardait dans les yeux, puis c'est rare qu'elle nous regarde dans les yeux. Je trouvais ça mignon. Et là, j'étais trop émotive pour, vous le filmer, là, je vous le raconte, mais. Fait que, ben, c'est ça. Et notre père m'est parti retour à Montréal. Mais elle revient samedi, là, par exemple. Là, ça va être une semaine éprouvante pour elle, quand même, là, ça va être l'ajustement. Mais au moins, ben, t'as avec son ami Van là-bas, par exemple. Son ami Van reste avec elle au logement, là. Fait qu'au moins. Fait que c'est ça. Fait que je vous parle au parc. On va essayer de cacher. Moi, je vais souvent au parc. Avant, je vais souvent au parc. Notre roche. Parce qu'on est bien au parc. On va essayer de cacher ça. Je viens de trouver ma place. Je vais le cacher là dans le tronc. Oui, puis moi aussi, je veux cette place-là. On va le cacher là. Oh, c'est trop cute! Je me demande bien quel petit enfant va le trouver, s'il va faire le bonheur à quel, mais en tout cas, il va être caché là! Ah, j'aurais dû pas tirer le bout, hein? Maman, je réalise, j'aurais dû faire le bout. Numéro, hein? Ouais, non. Ok, toi, l'as-tu caché? Non. Ok, on va trouver une place. Oh, qu'on pourrait bien le mettre. Ah! Lucas, ici! Ici. Je mettrai là dans le trou, là. J'aimerais vraiment que les gens qui s'éloignent, ils vont choisir 2 mètres. Ah, mais c'est pas grave. S'il y a plusieurs enfants, on est content d'en trouver. Non, mais peut-être qu'ils vont les trouver les deux. Ok, ok. Ok. Je mettrai là dans le trou, ouais. Maman, il y a des serpents dans le trou, là. Oui? Mais quelqu'un, quand... Non. Oui. Oh. Maman. oui. À maman, il y avait deux. Maman, ouais, j'ai déjà mon grand. C'est ça, on voit que les feuilles tombent. Regarde tout ça quand même, elles semblent. Nous, on va peut-être aller à Québec aujourd'hui. Ouais, peut-être. Ouais. On va voir. Je sais pas si papa, ça va y tenter. Hein. On va se balancer. Québec, moi, c'est ma vie préférée. Ouais, hein. On est quand même bien dehors, pareil. J'ai une belle température. Ouais. Tu sais, c'est pas chaud, mais c'est pas froid. Là, on est bien. Ouais, je suis contente. J'avais pas vérifié l'arbre s'il s'en sortait depuis qu'on avait changé de place. Vous vous rappelez, on l'avait torsé pour mettre la maison à Katia, la cabane. Mais oui, il s'en sort. Parce que ça, c'est notre. Dans le fond, c'est notre but, c'est notre chez nous. Que l'on devrait en mettre plus d'art finalement. Ouais, comme. Des fois, il y en a qui venaient glisser là. Ouais, je sais, hein. Ça, c'était pas gentil parce que c'était dans notre terrain. Il y en a qui pensent au parc, mais c'est à nous autres la butte. C'est notre terrain privé encore. Que là, c'est chez nous. Mais c'est la dernière journée que. Moi, ouais, je recommencerai bientôt l'école. Ouais. C'est triste. C'est fou. Non, maman, va pas à droite parce que je vais te. Tu vas sauter? Non. Non, c'est juste que je voulais pas te frapper. Hein? Parce que là, je voyais de. Thank you.
ça, on est monté à Québec. Fait que Katia me tire après, elle est en train de me déshabiller. On est monté à Québec, on est allé au Tommy. J'ai trouvé vraiment le linge aux enfants. Et ma repousse apparaît. Hein. En tout cas, j'ai trouvé le linge aux enfants. Je suis vraiment contente. Alors, en plus, je suis membre, j'ai des courriels. Puis, à quoi j'ai des courriels, ça m'enlevait un gros rabais. J'ai présenté mon courriel, ça m'enlevait un gros rabais. En tout cas, ça montait à 236 la facture totale. Puis, en montrant mon courriel, ça baissait à 136. Ça avait-tu fait la peine, vous pensez? Puis, j'ai plein de morceaux. Je vais vous montrer ça. Ben, Lucas, Lucas a des culottes avec deux gilets. Puis, Katia a deux kits, dans le fond. Puis, Lucas, il a choisi le gilet, je trouve ça cute. C'est pas de quoi j'aurais pensé. Mais là, on dirait qu'il me le montre. Je dis, ouais, c'est vrai que ça fait vivant, tout ça. Ce que je vais le montrer, c'est Lucas qui a choisi un des gilets, là. Moi, j'ai choisi l'autre. Qu'est-ce que tu fais, là? Moi? Ouais, c'est quoi tu fais, là? Ok, c'est le ballon qui est volé, là. Hein? C'est quoi? Je sais pas. Puis là, mais là, c'est ça, je suis tombée en mauvaise humeur un peu parce que là, tu sais, moi, j'ai dit LTE, dans le fond, des données cellulaires. Mais là, ça fait deux mois que je défonce mon forfait. Puis là, ça vient de nous coûter 50 pièces plus taxes, donc 57 pièces. Puis avant ça, il m'avertissait tout le temps, mettons, j'étais 95% de mon forfait. Puis là, je le voyais, puis je le fermais tout de suite. Tu sais, je fermais mes données cellulaires pour pas dépasser. Mais là, il m'avertit pas. Puis, paye, il nous charge 50$. Puis là, ça vient de nous le faire. Fait que là, on entend maudit. Puis je comprends plus pourquoi j'ai plus le message texte pour m'avertir avant que j'étais 95%. Ben non, je l'ai pas eu, Lucas. Je l'ai vraiment pas eu. Ça fait deux mois. C'est ce que je veux dire. Ça fait deux mois, là, ça nous fait ça. Fait qu'on paye 50, ben presque 60$ dans le vide. Ça nous fait cher, maudit, là. Fait que là, ça nous a mis un peu de mauvaise humeur. Mais là, avant, on vient d'aller au Cosmos, chercher des bons peignes. Là, on est au Cosmos. Mon chum est arrêté au Cosmos. On voulait se descendre un bon souper. Fait que, on va manger du Cosmos pour souper. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi, t'as là, mon amour? Ok, tu souffles ton ballon. Fait que je vais vous montrer. Puis toi, Katia, ça va-tu bien? Hein? On prend des rides d'auto? Oui? Des promenades d'auto, des balades d'auto? Non. Okay. Nos belles. Voulez-vous voir nos belles? Oui, je vais t'en donner. Ça peut, là, par exemple? Tadam! Nos beignes! Ceux-là, c'est comment? Lucas, les originaux à la crème, ça, c'est à la pâte à gâteau. Si je te regarde, je prends lui. Ouais. Okay. Mais j'aime aussi beaucoup, je les aime ben, pas autant. Je vais voir la crème dedans. Tu montres la couleur. Ben croque. OK, c'est comme ça, la crème. C'est bon? Tu as déjà goûté dans le fond? Ben ouais. Ouais. Toi, Katia, t'en veux-tu? Tu veux-tu un bing? On va essayer de t'en donner, ce sera pas long. C'est ça. On attend Cosmos que mon chum est allé chercher. Le souper à décembre. On va manger à la maison. OK, tout. Mon beau sac de Tommy. Tout est énervé. Je savais que je trouverais. Mais là, c'est ça. Pour vous montrer. Katia, veux voir? Veux voir qu'est-ce que t'as acheté? J'ai plusieurs chambres, mais je pense que je vais les montrer à la maison comme il faut étaler, là. Que là, dans... Ah, beaucoup dans le sein, mais il y en a quand même pas mal. Là, c'est plate. Par exemple, ce que j'avais envie d'aller aux toilettes, là, mais j'avais envie. Là, on doit sortir une heure et quart de route, puis j'ai étalé avant de partir, là. On dirait, je fais plus longtemps, là. C'est ça qui est plat. Puis là, quand je rentre au Tommy, je dis, avez-vous des toilettes? On dit non, faut te ressortir pour aller, mettons, Victoria en face. Mais là, on n'entendait pas de ressortir. Fait que là, j'avais envie. Mais c'est fun, il y avait une belle ambiance, il y avait beaucoup de monde. Je sais pas si c'est à cause des courriels qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait dû checker sur place, qui mettait de la vie. Mais là, j'ai même pas pris le temps d'aller voir pour moi, mettons, mon chum, là. J'étais, me suis concentrée à ces deux-là. Puis il y avait des belles affaires. Lucas, il avait vu un beau gilet, mais que le gilet était 75$, c'était cher. Mais là, j'avais eu des rabais, finalement. Parce que je savais pas trop comment ça marchait, mon courriel. En tout cas, c'est compliqué. Mettons, il y avait déjà des rabais 60% sur du linge ou 20%. Mais là, t'avais déjà 20% en achetant. Si t'étais membre, il en donnait un 15%, je pense. Puis si t'achetais pour 75 et plus, t'avais 20%. Tu rajoutes tout à 10%, là, des pourcentages. Mais en tout cas, je recheckais sa facture. Fait que c'est pour ça que finalement, elle m'a enlevé presque 100$. Ben, 100$, ouais. Fait que c'est le fun, hein? Alors, finalement, j'ai eu le temps d'aller au Simons. Parce que mon chum est venu pour aller commander. Puis, ça dit, regarde, va aller t'écœurer, Lucas, attention. Regarde-le, à doigt, là. Oh, tu plates les cheveux. Oh! Oh, ça m'a fait le mal! Ouais, elle est forte, c'est ça, frère. Ça m'a fait le mal! Ouais, t'as tiré avec les ongles, hein? Non, la roue, il m'a fait avec. OK, elle a pas mis tes ongles dans le cuir chevelu. Ben oui. Ouais, fais ça aussi. Alors, si tu fais ça, prends-moi. C'est parce qu'elle a voulu un câlin, mais elle comprend pas, tu peux pas y aller, hein?
Elle va aller bien tant frais, je vais un câlin. Maman, si j'aurais pu, moi, maman, toi que j'aurais été là, je n'aurais pas fait de câlin. Non. T'aimes pas ça les câlins, toi? Non. Même moi, je suis plus capable de t'en faire, c'est plate. Mais, moi, j'aime pas ça les colos. Ouais, lui, quand même, plus ça les colos. C'est plate. Mais j'aime l'en faire avec le chat, parce que lui, il est doux. Tu penses que tu penses que tu as besoin de faire des colos au chien à cette heure, mais nous autres, il veut plus, même moi, il veut pas. Si ça me fait de la peine avant, c'était rien que moi qui titais pour lui, puis à cette heure, il veut même plus que je fasse des câlins. Il veut même plus que je le flatte. Mais là, ça, je suis en train de dire, c'est que finalement, mon chien vient pas aller commander, puis la cuisine ouvrait juste à 4 heures. Puis c'était pas prêt avant 4 heures et quart. Fait que là, il nous restait une grosse demi-heure, finalement, à niaiser, mais on décollait ces galeries de la capitale. Fait que, il dit, tu veux-tu aller au place? J'ai dit, ben, j'aimerais ça aller au Simons d'abord. Je suis allée au Simons! Ah, on pourrait aller au Taïsor. Je me suis acheté une belle bague. J'ai sûrement la prêter à Katia aussi. T'aimerais ça aller au Taïsor? Oui. Et je sais pas si papa voudrait. Ben, parce que ça serait le fun, parce que, tu sais, toi, t'allais être en magasin, t'allais au Simons. Ça dérangerait pas, mais je sais pas si papa, ça va être tenté, là. On allait au Simons pour toi. Je vais vous montrer ma bague. Regardez ma bague! Je l'aime vraiment. Oui, maman. En tout cas, je sais pas si vous la voyez bien, là, mais tu sais, elle fait comme briller, puis elle est toute délicate. J'ai aussi mal apprêté à Katia aussi des fois. C'est ça que je cherchais. Elle était 20 pièces. Une petite gâterie. Mais ça, c'est pas dans la bague de mariée. Ouais, ça ressemble, hein. Ouais, c'est le doigt de mariée, mais moi, je l'ai perdu, mon alliance. Fait que c'est beau, hein. Elle a perdu d'être. Je vais essayer de vous la montrer de même. Je sais pas si elle a mieux d'avoir comme ça. Regardez, c'est belle. Oh, non. Belle, hein. Hey, il est beaucoup plus tard. On est revenu, il était peut-être 5 heures. Je pense que c'était 5 heures et quart. Puis là, quand on est arrivé, Benny était ici. Fait que, on s'est fait à souper. Enfin, on s'est fait à souper, on avait déjà notre souper, mais on l'a fait réchauffer. Puis, ça, c'était bon. Puis, Katia a mangé un peu avec nous autres. Mettons, elle a mangé un peu de mes cannelloni, puis elle a mangé un peu des pâtes à mon chum. Puis, après ça, on a dit qu'il faut aller à l'épicerie. Nick était ici, on en a profité. On est allé à l'épicerie juste moi et mon chum. Mais là, on vient pour sortir ça, puis genre, on est arrivé. Fait qu'on a dit, on en revient dans pas long. Salut! Fait que, c'est ça. Là, ils ont reparti. Puis là, ben, c'est ça, il est 9h. On peut parler qu'à pour le dodo. Puis, ben, c'est ça qu'elle s'est couchée aussi. Elle a fait un. Moi, je n'aime pas dormir. On l'a préparé pour le dodo. Elle a fait une serre. Mon chum, il a brossé les dents. Fait que, elle adore déjà. Je viens d'aller voir, puis elle adore déjà. Mais moi, j'aime pas ça dormir. Puis c'est ça. Je vais vous montrer les achats que Lika. Ben, le gilet que Lika a choisi. Puis qu'est-ce que moi, j'aimais beaucoup pour lui. Je vais vous montrer ça. Fait que là, je vous montre le gilet que moi, j'ai choisi. Lui. Je le trouve vraiment beau. Là, ça, c'est... je vais me prendre un petit verre de lait avant de me coucher. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ce beau gilet-là. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pris déjà 12-14 parce que sinon c'était 8-10. Puis 8-10, je trouvais que c'était trop petit. Alors ça, c'est tombé à 12-14. Mais là, tu sais, un coup lavé. Puis je voudrais qu'il refasse l'année prochaine, c'est sûr, là. Fait que c'est ça, petit gilet. Puis ça, ben là, en fond, c'était 32 piastres. Mais tu sais, avec le spécial, il m'est revenu peut-être à 15-16 piastres. Ensuite. J'ai acheté des pantalons rouges. J'ai pris des 10 ans, taille ajustable. Dans le bas, c'est comme ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va fitter. Puis ça, ben, gars, je fais ça boîte justement avec ce gilet-là. Regarde, ça fait un beau petit kit. Mais là, c'est ça, il y a des poches, je trouve ça drôle. C'est rare les pantalons. Il semble qu'il y a des poches à côté. Petite poche en arrière. Mais là, c'est ça, je me demande si ça va être beau avec ses souliers rouges, si c'est vraiment le même rouge. On essaie de trouver des âges qui fit avec ses souliers rouges, mais je me demande à quel point, finalement, si c'est le même rouge, ça va être beau. Ensuite, Lucas s'est choisi ce gilet-là. C'est le coup, j'étais pas sûre. Je vais vous montrer. C'est le coup, j'étais pas sûre, là. Je le trouvais un peu, flyé, disons. On s'est réaimé de la vie, tout ça, puis pseudo va sûrement être beau. Je trouvais qu'il faisait vivant. Puis j'ai dit, Lucas, lui, il l'a spoté, puis il l'aimait. Fait que je dis, garde. Fait que c'est ça. Mais là, je sais pas à quel point ça va être beau avec les pantalons rouges. Fait que là, c'est ça. Je fais des linges à Lucas, je me rappelle plus le linge Tommy qu'il avait. Garde, ça, ce beau gilet Tommy, là, je me rappelle, je l'aimais beaucoup quand je l'ai acheté, mais là, il ne mettait plus cet été, là. Mais gars, avec les clottes rouges aussi, c'est beau. Il va pas le mettre avec les clottes rouges. C'est sûr que moi, je le mettais avec des clottes bleu marin, Tommy. Là. Maman. Est-ce que tu peux montrer mon mur? Ouais, ça, ben ça a déjà montré. Les posters.
Ça l'a déjà montré. Mmh, moi, je suis vraiment. Fait que regarde avec l'éclat de bleu marin que Tommy qui a, mais aussi avec l'éclat rouge. Je trouve ça beau. Moi, je suis vraiment ça, c'est un autre gilet Tommy que j'avais acheté cet été avec des shorts. Regarde, c'est beau avec l'éclat rouge aussi. Parce qu'il y a vraiment. Ah là, je capote. Ils vont en plein de belles ensemble. Je capote trop. Le gilet que Lucas a choisi. Regardez, c'est beau avec l'éclat de bleu marin, Tommy. J'ai juste peur de faire un peu ma gano les genoux, par exemple, en tout cas. Et regardez, c'est beau avec l'éclat de bleu marin. Est-ce que vous aimez mieux avec l'éclat de bleu marin ou l'éclat rouge, vous? Parce que Sabrina, elle a trouvé que ça faisait trop coloré, par exemple, avec l'éclat rouge. Mais lui, Lucas, il aime ça. En tout cas, je suis énervée. Mais là, je veux trouver un autre gilet. J'avais un autre gilet, Tommy. Parce que j'avais acheté deux kits de shorts. Là, je trouve pas l'autre gilet. Oui, regarde, il y avait deux shorts, Tommy. Puis là, regarde, un autre gilet Tommy, j'ai retrouvé à Lucas. Regardez, c'est beau aussi, avec les culottes rouges. Hey, je trouve tellement que, moi, je trouve Tommy, c'est vraiment beau. Ils ont vraiment une belle collection de petits garçons, je trouve. Fait que, je saurais plus quoi y mettre, finalement. Bon, finalement, en faisant cette histoire, j'ai retrouvé son gilet que je cherchais. C'est lui, l'autre gilet qui est avec des shorts, là. Mais regardez que ses pantalons rouges. Eh bien, je trouve Lucas m'a bien fait d'acheter des pantalons rouges. C'est beau de tout, là. Je suis vraiment contente, j'aurais fait quoi de merde finalement. Puis là, je pense qu'il avait même pas mis de l'été. Hein. Mais maman, on dirait qu'il y a de la neige. Monsieur, regarde qu'est-ce qu'il a bu aujourd'hui. Regardez avec ses souliers, attends. Finalement, ça va être beau. Attends, maman. Si aujourd'hui, il s'est mis ça. C'est une belle. Un beau manteau. Ah, ok. Ouais. Je sais qu'il s'est mis aujourd'hui. Oh. Pas chien. T'es tout nul, ok? Non, pas nous manger l'écho. Pour de vrai, il mangeait pas, il était gentil. Assis, Lucky, assis. Pour de vrai, il était gentil, il mangeait pas, mais tu sais, on prend pas de chance, là. Lucky, assis. Oh, t'es beau. T'es beau, Lucky. Assis. Lucky, regarde-moi. Là, il y a pas. Attends.